pas. Oh oui. Mais ça a commencé à quelle heure ce matin? Vers 7h. 7h. Et il y avait du monde qui attendait. Ouais, 7h, les gens commençaient à arriver. Ah oui, ben c'était bien. Et puis après, la file s'est allongée tout doucement. C'est la première fois que je viens. J'entends. Ah bon? Ah, ben, pourtant, oui, c'est la première année. Il y a bien longtemps qu'on le fait. Ici. Oui, j'entends à la radio. Oui, oui. Mais je suis jamais venue. Mais y a, à un moment toujours, il y a des déçus parce qu'il n'y a plus rien. Alors voilà. Il n'y a plus rien du tout. Ah ben, quelquefois. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Hein, les gens partent. Il faut revenir l'année prochaine. Voilà. Et comment vous faites? Est-ce que vous avez le droit de revenir tout le temps? Non, c'est une action qu'on fait une fois par an, ça. Et on ne peut pas faire plusieurs fois On pourrait peut-être, c'est une grosse logistique à mettre en place. Et puis c'est aussi une autorisation d'être ici, parce que c'est pas évident quand même. Hein. D'être ici, il faut faire des démarches. Si on demandait à être là tous les deux mois, c'est pas sûr que ça soit accepté quand même. Hein. Je me demande pourquoi pas. Ah ben oui, mais bon. Mais vous savez, c'est un gros travail, parce que j'ai le collègue Girardi qui prépare ça depuis un mois et demi, deux mois. Hein, pour le transport et tout. Ça coûte moins cher que les grandes surfaces qui vous volent. Ah, on discutait avec mademoiselle qui dit que ça coûte pas forcément moins cher, mais bon, c'est pour mettre en lumière un peu le rapport entre les grandes surfaces et les producteurs, quoi. Hein. Mais bon, parfois, ça coûte pas moins cher, c'est vrai. je suis d'accord avec monsieur, alors je peux pas dire qu'il est trop gentil. Ah bon? Non, mais on a expliqué un peu le système, parce que bon, les grandes surfaces elles essaient de tirer chez le producteur le prix le plus bas possible. Donc, quand on vend après en direct, on se retrouve quelquefois avec les mêmes prix. Mais le producteur qui a vendu la grande surface, lui, il n'a pas gagné sa vie. Vous savez, cet été, je suis obligée de peler les tomates comme si c'était des pommes. Tellement ils sont durs, elles sont dures et vertes. Ah oui. Et puis, un poivron rouge, disons, il coûte place Mange. Il n'y a pas de toute façon, et quand il y en a, hein, c'est les bio, dont je me doute beaucoup, qui sait. Vous savez combien ça coûte? Ah non, je n'ai aucune idée, parce que j'en ai dans mon jardin, moi, des poivrons, là. 7€ le kilo. Oh là, ah oui, alors... Moi, je peux vivre qu'avec des poivrons rouges, j'ai pas besoin d'autre chose. C'est inabordable, ce truc. Oui. C'est plus cher que la viande et tout. Bon, c'est vrai qu'il y a que eu, je des, ne masse pas, d'ailleurs. Il y a eu des problèmes un peu climatiques cette année. Hein. Oui, mais les climatiques sont tous les ans. Hein. Voilà, oui. Ou alors c'est sur tel fruit ou sur tel légume, mais il y a toujours quelque chose, quoi. Oui, bon, on trouve toujours quelque chose pour ne rien dire et faire. Pour toujours avoir un prix en hausse. Vous vous appelez comment? Jean-Luc Laroche. Et vous venez d'où? De la Charente. Et qu'est-ce que vous produisez? Ah, moi, je produis des céréales, des oléagineux, des tournesols, et puis du vin pour le cognac. Oh, bravo! Ah, ben, bon. Les Bulgares aiment beaucoup le cognac. Ah, mais ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Vous allez avoir assez? Vous allez avoir assez? Alors, vas-y. Qui n'est pas servi? Vous allez. Messieurs, dames. Vous allez voir le C. Pardon? Vous allez voir le C. Le C? Assez? Oui. On va voir ce qu'on a. Hein. Ah, oui. On a 50 tonnes. Ah, je prends 2 kilos d'hectare. Ok. Et 3 kilos de prunes. D'accord. Et en salade. Une salade. Une salade. Donc, une.
j'ai retrouvé mon père du canal ce matin. Ce matin, le quatrième va de l'avant. Deux soldats moins pour l'Occident. Des civils couplés à Bagdad dans les bras saignants de Djihad. Toi et moi, dans tout ça, pour ma part et toi, on se comprend de tout être là. Côté. Oui, oui, on peut rentrer. Alors, c'est bon là, vous avez pris. On y va, Thomas. Après, madame. Bah, si moi, qu'à plein des produits, vous n'avez pas payé avant. Hop. Alors, ce qui nous... De prix ce matin, combien vous avez vendu? Tu as fait un peu moins de pommes de terre. Une pomme de terre. Hein? 7,50€. Combien vous avez vendu? 16,50€. J'arrive une seconde. Voilà. J'arrive avec votre panier. Vous vous en mets là, moi. 34€. Bon, j'ai pas que ça. Super, 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 merci. Alors, 4€ pour madame. Pardon. Alors, voici deux. Moi j'encaisse pas, alors on va tout, hein. Une salade, voilà. Il y a quelqu'un qui s'occupe de vous, il faut qu'il y ait un voilà. Et voici. Merci, bon courage. Bonne journée. 8,50€. Vous ne m'avez pas répondu combien vous avez vendu depuis ce matin. Je peux pas dire combien j'ai vendu, parce que pour l'instant, il faut que je vende. Ah. Hop. Mesdames, Messieurs, bienvenue, place de la Bastille, pour cette vente solidaire de fruits et légumes traditionnels. Merci aux producteurs qui sont partis très tôt ce matin. Je vais donner dans quelques instants la parole à Raymond Girardi du MODEF et qui parlera au nom de celles et ceux qui travaillent la terre et qui veulent un prix rémunérateur, vivre pour permettre à la fois place de la Bastille l'accueil. Je sais qu'il y a un peu d'attente, mais les militants font de leur mieux. Et je rappelle aussi qu'il y a une distribution, une vente solidaire de fruits et légumes dans plus de 25 villes de l'Île-de-France avec 50 points de vente. Nous allons dans quelques minutes partir vers l'hôtel Matignon pour faire un écho direct à cette initiative, à la fois nous adresser au Premier ministre Jean-Marc Ayrault pour lui proposer de vitaminer réellement, de donner du tonus à sa politique de rentrée, qui en a bien besoin, puisque les témoignages que nous recueillons ce matin, c'est de nouveau des témoignages très durs sur les conditions de vie, sur la vie chère,
sur le pouvoir d'achat, sur lequel le changement est toujours attendu. Et nous allons porter aussi une salade qu'il remettra peut-être au président de la République pour dire à François Hollande, ne nous racontez pas justement de salade concernant la reprise qui serait là. Ou alors quelque chose de bien est en train de se passer. Non, contrairement à ce que voudrait faire croire le ministre de l'Intérieur, les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui sont prioritairement ceux des salaires, du pouvoir d'achat, des conditions de vie. Pour conclure, le Parti communiste français avec le MODEF aujourd'hui dans ce partenariat qu'on mène depuis des années fait la démonstration d'une action concrète à portée de main. Il est possible de changer la vie, il suffirait d'inscrire en urgence à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la proposition de loi élaborée avec les militants syndicalistes, avec les associations de consommateurs contre la vie chère et pour pouvoir, oui, manger avec un prix acceptable et des produits de grande qualité comme ceux qui nous sont proposés aujourd'hui, les 5 fruits et légumes, parce que c'est une question de santé publique. Je passe la parole à Raymond Girardi pour le MODEF. Merci. Merci Olivier d'Artigolle. Écoutez, bonjour à vous tous. Cette initiative ici aujourd'hui, place de la Bastille, est dans 50 points de vente parisiens et dans 25 villes, est pour nous une initiative importante. Importante dans la mesure où ça nous permet, une fois de plus, de pouvoir venir rencontrer, vous les consommateurs parisiens, et vous faire part des difficultés que l'on vit et que l'on subit depuis tant d'années maintenant. En ce qui nous concerne, nos producteurs de fruits et légumes, mais on peut étendre ces difficultés aux éleveurs également, aux viticulteurs. C'est une initiative fruits et légumes, mais qui en quelque part image l'ensemble des difficultés des petits et moyens producteurs de France. Tout d'abord, je voudrais m'associer et remercier également, comme Olivier d'Artigolle l'a fait, à tous ceux qui ont contribué à organiser cette initiative, à tous mes amis producteurs du MODEF qui viennent du Lot-et-Garonne et quelques-uns en soutien d'ailleurs, mais aussi tous les militants ici, tous les élus communistes de Paris, Panlieu, et tous les militants qui participent à organiser quelque chose qui prend 3 semaines. Voilà, ça fait 3 semaines qu'on y travaille dessus. Pour en faire une réussite, et c'est vrai que le résultat aujourd'hui est une réussite exceptionnelle. Alors pourquoi nous, producteurs, on est venus ici aujourd'hui? Mais tout d'abord, pour vous dire que les producteurs de fruits et légumes subissent les affres de la grande distribution depuis 15 ou 20 ans maintenant. Je dirais même que la situation s'est fortement aggravée depuis 1986, quand l'ordonnance qui supprimait l'encadrement des prix de la grande distribution a été mise en place, puisque c'est de là que la situation des producteurs de fruits et légumes s'est dégradée, et d'ailleurs également pour les consommateurs. En près de 15 ans, les 2/3 des producteurs de fruits et légumes de France sont disparus. Actuellement, la moitié des producteurs de fruits et légumes sont en difficulté ou en grande difficulté. Certains sont en situation de faillite. Et c'est pour ça qu'on a voulu ici, aujourd'hui, venir et organiser cette opération de solidarité et du juste prix. Le but pour vous, consommateurs, c'est qu'on puisse nous faire part, comme j'essaie de l'exprimer en ce moment, des difficultés que l'on subit, et vous dire que quand vous payez les produits à l'étalage dans les grandes et moyennes surfaces de Paris et Banlieue, quand vous payez ces produits très chers, mais ce n'est pas nous les producteurs qui en bénéficions. Il faut savoir qu'actuellement, par exemple, la tomate nous est payée à 60 centimes le kilo. Elle va dans les circuits de la grande distribution pour arriver de 2,5 € à 3,5 € le kilo. Et nous, il nous faudrait pour boivier uniquement 15 centimes de plus, c'est-à-dire 75 centimes. Donc par conséquent, on essaie de faire cette démonstration, on essaie de vous dire à quel point le producteur-consommateur mène le même combat. Et la balle est un petit peu dans le camp du gouvernement, je crois. Et donc la visite à Matignon et auprès du Premier ministre me semble particulièrement importante, dans la mesure où il faut
que l'État prenne ses responsabilités aujourd'hui et mette en place non pas des mesurettes prévues dans les différentes lois qui à terme ne résout pas le problème, mais mette en place notamment deux mesures. Le coefficient multiplicateur, qui est la mesure technique qui encadre les marges de la grande distribution, c'est-à-dire que quand un distributeur achète un kilo de tomates, par exemple 1 euro, elle ne peut pas le multiplier par plus de 1,5 et le vendre 1,5 euro, ce qu'on vend aujourd'hui. Et la deuxième mesure, mais qui est liée, c'est mettre en place un calendrier d'importation pour qu'effectivement on puisse contrôler les importations et ne pas importer massivement de la tomate et du melon comme c'est actuellement venant du Maroc ou de l'Espagne et qui viennent concurrencer déloyalement. Voyez donc, on a un combat commun à mener. On a tous ensemble à interpeller les pouvoirs publics et le gouvernement pour qu'effectivement chacun puisse vivre dignement, que les agriculteurs puissent dégager un revenu pour leur famille et que pour vous, consommateurs, vous puissiez acheter 5 fruits et légumes par jour au juste prix, c'est-à-dire un prix raisonnable. Merci et le combat continue. Merci Raymond. On va donc partir à Matignon avec ce caddie qui est presque plaqué or, qui vient presque du 440, mais en fait, on aura un message tout autre concernant le pouvoir d'achat des familles populaires. Je passe la parole à Xavier Campin, qui est le responsable au Parti communiste français de la commission agriculture. En fait, après les propos du parti que vient de tenir Olivier, après ce que viennent de dire les syndicalistes paysans, on a tous bien conscience qu'on a un Premier ministre un peu anémié, vous avez dû le regarder. Il a le temps de la farce de l'austérité, c'est pas bon pour sa santé. En fait, à travers les fruits et légumes qu'on va lui remettre, 5, peut-être Olivier a dit les salades pour François Hollande, mais peut-être des tomates bien rouges pour Jean-Marc Ayrault, pour qu'il retrouve les couleurs de la gauche. Et les couleurs de la gauche, c'est aller sur deux propositions fortes. Évidemment, il faut dès maintenant augmenter les salaires, revaloriser les pensions, ne pas nous détricoter les retraites. Ça, c'est pour le pouvoir d'achat. Il faut répondre aux aspirations des paysans qui veulent rémunérer leur travail. Pour ça, la gauche a un peu de courage. C'est chic les marinières Made in France. C'est très très chic les marinières Made in France. Mais ce qui est mieux encore, c'est d'encadrer les marges à la grande distribution. Et la grande distribution, elle se goinfre depuis 20 ans. Elle en vomit. Alors, être de gauche, mon cher Jean-Marc, c'est dire à la grande distribution qu'elle fera des marges de 25, de 30, de 35%, mais surtout que des marges de 400% sur la pêche nectarine, ça sera terminé. Et la dernière proposition à Jean-Marc Ayrault, et puis à celui qui est avec, là, j'oubliais le ministre, Stéphane Le Foll, viendra pas, mais ils sont très occupés, ils réfléchissent. Nous, avec les gens, on s'est dit qu'il fallait d'autres propositions. Il faut pour les syndicats paysans de vraies négociations. Il n'y a pas de négociations agricoles, il y a des rapports de domination. La dernière, pour encadrer les prix, pour mettre de la justice, pour que les consommateurs consomment sainement, alors il faut des négociations agricoles avec tous les syndicats. Et s'il n'y a pas ? Il n'y a pas beaucoup de fruits et légumes. Mais si, il y a des fruits et légumes, mais il faut beaucoup. Quand tu fais la queue de là-bas, oui. J'arrive pas à prendre. Ça va trop, ça va. Tu veux dire qu'il y a peu de monde, peu de vendeurs. De monde, non. Il y a peu de vendeurs et beaucoup de monde. Oui, oui. C'est ça. C'est par là. Non, c'est par là aussi. Voilà, c'est les produits de saison, les produits de saison. Bien, Maria.
Ça, c'est le caddie qu'on va offrir, c'est le caddie qu'on va offrir au Premier ministre pour qu'il vitamine sa politique. Et si tu vois là-dedans, il y a des salades, parce qu'il faut qu'il arrête de nous les raconter. Et il y a aussi des pêches, parce que nous, on a la pêche. Ah, bravo. Et il vous en filme pour ça, non? Pour le dire, ça a une caméra, parce que... Oui, c'est fait. Ça rend, mais vous l'avez dit avec caméra. Ah, ouais. Il y a peu de vendeurs, hein. C'est ce que tu fais, tu poses ta caméra, on te la garde et tu vas vendre avec nous. Attendez depuis combien de temps? Ça fait un moment qu'on attend, madame. Combien à peu près? À moi, 1h30. Hein? 1h30. 1h30. Comme quoi, moi, je ne pourrais pas attendre. Mm-hmm.